Slam 225, 12 juin 2017. Vous savez, l'amitié, c'est ce qui est le plus important. Et moi, j'en ai pas mal à remercier. Aujourd'hui, vos amis, on peut le compter. On peut les compter sur le doigt de la main. Ça, c'est véritable et c'est vérifiable. Aujourd'hui, le peu que tu poses et que tu poses un truc, les gens qui t'aiment vraiment, ils vont liker et commenter. Mais ceux qui jouent les faux culs à travers ça, toi, tu les balayes. Et tu les balayes de ta vie et tu laisses ne rien regretter de ta vie. Toi fonce, même si les gens ne croient pas tes possibilités. Fonce dans ce que t'aimes faire, ne tente pas, ne tarde pas à foncer sur ce que t'aimes faire. Te mets pas des barrières parce que regarde-moi, à travers mon handicap, j'arrive à faire quelque chose que j'aime. C'est vrai qu'au début c'était pas si simple, c'était pas si simple de pouvoir régler l'addition, de pouvoir régler le son et de pouvoir régler les choses, régler ma voix, ça c'est des choses à travailler. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que travailler c'est si simple, mais ne pensez pas que ce que je fais c'est très simple, non. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration, de faire attention à ce qui se passe autour de moi. C'est vrai que parfois, c'est pas toujours évident, croyez-moi que la vie, elle est pas simple pour personne. Mais un peu de soleil, un peu de gaieté, un peu de sourire, ça fait du bien au cœur, ça réchauffe les cœurs. Alors si tout le monde pouvait être solidaire et se donner la main, et se dire qu'un jour ou l'autre, on pourrait se souder, et s'entraider, c'est quelque chose de si simple. De nos jours, c'est pas si simple, croyez-moi. S'entraider, y'a rien de très compliqué à ça. Aider quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, aider quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. Ne laissez jamais tomber cette personne-là, croyez-moi. Si elle vous le demande, aidez-la, ne la laissez pas tomber. Une amie comme ça, vous voulez compter sur le doigt de la main. C'est vrai qu'aujourd'hui, où l'amitié en jeunesse, l'amitié c'est ce qui est le plus sacré, mais attention, faut vérifier. Vérifier si l'amitié est capable de tenir sur des longs termes et de tenir sur un long terme. De tenir sur un long terme, tout est possible. Faut juste que les deux personnes sont très proches et très soudées, très solidaires. De nos jours, c'est plus possible. C'est chacun pour soi et chacun une route différente. L'important, c'est tous se trouver au bout de la route et de pouvoir se dire, voilà, tu vois, j'ai progressé. Progresser, c'est ce qu'on a mieux à faire dans sa vie. Progresser, c'est ce qu'on a mieux à faire dans sa vie. Ne jamais baisser les bras et garder la tête haute. Ne jamais baisser les bras et ne jamais attendre que ça passe. Et ne jamais attendre que ça passe, ne jamais attendre l'horloge tourner, ne jamais laisser entendre que les choses passeront facilement. Non, c'est pas possible ça, vous le savez bien.